d'expliciter la démarche qui a permis l'éclosion de Giono et la Corse n'est pas une mince affaire, car il est attesté que Giono n'a jamais posé le pied sur le sol corse. Charge donc pour moi de lever le paradoxe. On parle souvent d'une première manière, mettant la nature au premier plan, et d'une deuxième manière, la reléguant au second, pour s'intéresser avant tout aux caractères humains. Je me propose de montrer à quel point la personnalité gionien, comme le précise Alain Romestin, leur nature intérieure, est tributaire d'un cadre nature façonne les cœurs, les passions, les caractères. La nature n'environne pas les personnages ioniens. Elle pèse sur eux. Elle est une gravité qui les arrime à la terre plutôt qu'elle ne les entoure. Entre écho et contrepoint, l'idée serait de composer une partition pour chœur à plusieurs voix qui permette d'harmoniser les voix des villageois de Corse et celles de tous les personnages de Giono qui leur répondent en écho. Si je peux me permettre cette mise en résonance, c'est que vivre en Corse, comme dans les hautes collines de Giono, c'est vivre assurément dans un monde surchargé de tragique. Je rappelle les propos de Jean-Guy Talamoni. Rapprocher la Corse de la Provence aurait été plus difficile s'il s'était agi de la Provence de Pagnole, celle de la côte, avec ses cigales bruyantes et son verbe « haut » servi par un accent chantant. Celle de Giono, c'est autre chose. Il y a, entre leurs univers respectifs, toute la distance qui sépare la comédie de la tragédie. Il s'agira pour moi de sonder les espaces humains, l'espace et le lieu confluent dans les espaces humains, que les arts mimétiques agencent par et dans les textes gioniens et de les mettre en perspective avec la réalité géographique à laquelle sont confrontés les habitants de Pietradiverde. Gilles Deleuze n'a cessé de répéter que le devenir est géographique. On retiendra que pour Deleuze, ce qui compte, c'est le devenir présent. La géographie et pas l'histoire, le milieu et pas le début ni la fin, l'herbe qui est au milieu et qui pousse par le milieu. Cela rejoint le spatial turn qui a largement confirmé l'intuition de Deleuze. Comme le dit Ricoeur dans Temps et Récit, seule la fiction, parce qu'elle reste fiction, lors même qu'elle projette et dépeint l'expérience, peut se permettre un peu d'ébriété. L'ébriété qui facilite la transgression installe le discours dans le transgressif, si cher à Jean Giono. C'est cet aspect transgressif des personnages qui focalise mon attention quand il trouve écho dans la vie des villageois en chair et en os de Pietradiverde, humbles hôtes d'un lieu qui forge leur passion et leur caractère. Ainsi, comme dans la Commedia, les personnages sont viscéralement liés à l'environnement spatial qu'ils affrontent. Des hautes collines à Pietradiverde, le théâtre de la cruauté, c'est l'expression d'Antoné Artaud que j'ai volontairement adoptée pour mettre en scène les personnages fictifs et les personnes réelles dans lesquelles ils s'incarnent, car Pietradiverde se niche dans un berceau de roches et de verdure, à l'image du célèbre théâtre d'Épidaure, l'un des mieux conservés en Grèce. C'est au sein de cet écrin de roches vertes que j'ai installé les protagonistes pour leur permettre un dialogue en écho, orchestré par la nymphe. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Et maintenant, je... Thank you.
Maintenant, je laisse la parole à Marc Giorgi. Pietra d'hiver. En Corse, comme dans les romans de Giono, les lieux forgent les cœurs, les passions et les caractères. L'espace géographique de nos villages est en concordance avec les événements, souvent tragiques, vécus par leurs habitants il y a 100 ou 150 ans. Il explique, dans une certaine mesure, les existences tourmentées et tumultueuses de beaucoup d'entre eux. Cet aspect farouche de Abildreyverd se remarque dès qu'on arrive par la départementale 17. Les constructions les plus anciennes, celles du Cazone et du Paisol, sont bâties sur des promontoires rocheux. Il fallait, dans ces époques reculées, se protéger à la fois des envahisseurs qui venaient par la mer, faire des incursions et mettre le pays à sac, mais aussi échapper à la malaria et autres maladies qui infestaient le littoral. La maison de Tautsa, construite sur un rocher, est remarquable par son inquiétante étrangeté et son caractère inaccessible, fascinant et monstrueux. En traversant le village, du Montique jusqu'au Paisolo, on passe devant la maison du Carnadio. Une immense croix fixée sur la façade et le nom même du lieu dit, ou Carnadio, le carnage, laisse à penser que se sont déroulés ici des événements tragiques. Plusieurs légendes circulent à ce propos. La plus répandue raconte l'histoire de cette jeune femme d'un caractère bien trempé, vivant seule dans cette grande maison. Au cours d'une nuit d'hiver, elle trancha d'un coup de hache la tête d'un homme qui voulait rentrer pour abuser d'elle. D'autres endroits du village, grottes, escarpements, lieux marqués par des croix aux origines incertaines, donnent une impression de mystère et d'étrangeté. Cependant, malgré ce lourd passé, malgré les événements tragiques qui se sont déroulés ici au cours des âges, notre village, Abildreyverd, est accueillant et agréable, où il faisait bon vivre au quotidien. Trois hameaux le composent. À l'ouest, le Paisolo, le petit village. Au centre, le Mutio, le Siste. À l'est, le Montitio, le Monticule. Chaque hameau de Pietra d'Hiverd présente une partie basse et une partie haute. Le Paisolo du bas s'appelle Peiadar. C'est sur la petite place de ce quartier qu'aboutit la rue principale qui traverse le village et qu'on nomme précisément à traverse. Il y avait encore à cet endroit, jusque dans les années 1970, une épicerie, une boulangerie et un café. Le Paisolo du haut s'appelle Uau. On trouve là de très belles demeures, dont celle de Jean-François Nicolai ou Georges Etchet, maire de 1912 à 1935. Cette grande maison abritait aussi l'école communale dans l'entre-deux-guerres. Le Mutio, situé au centre du village, est le plus récent des trois hameaux. Il a, comme les deux autres, sa partie basse, ou Mutio Zutan, avec ses quartiers de Matragru et de la Tioa, et sa partie haute, ou Mutio Zubran. De grandes et belles maisons de construction relativement récente et appartenant aux familles des notables, Ijo, comme celle du docteur Piti Ferrandi, celle des De Giovanni ou celle des Nicolai, agrémentent cette partie du village. Une épicerie bazar, une boucherie et un restaurant existaient encore il y a moins de 50 ans. L'école primaire, avant l'ouverture du groupe scolaire en 1963, était implantée au Mutio Zubran. La grande place du village, Piazza Ubiano, située dans la partie basse du Montitio, était entourée par de nombreux bars et commerces. Elle constituait le cœur du village, non pas géographique, mais social. En quittant la Piazza Ubiano et en empruntant une montée assez abrupte, autrefois
Empieré, Arichada, on accède au quartier du Casone, la grande maison, et aux constructions les plus anciennes du village, bâties comme Tozza sur un promontoire rocheux. Les fontaines et points d'eau sont nombreux à Abiraiver. Lorsque l'eau courante n'était pas encore installée dans les maisons, les villageois allaient s'approvisionner en eau potable aux fontaines de la Tiove et de la Bertolaccia, au cœur même du village, alors que celles de la Gadellaccia et des Fontanacce sont un peu plus éloignées. Les femmes allaient laver le linge de la famille à Fontanone, où un lavoir communal avait été installé. La végétation de Pietra di Verde est composée essentiellement de châtaigniers, d'aulnes, de frênes, de charmes, de chênes, d'yeuses et de toutes les plantes du maquis corse, telles que les lentisques, les cistes et les arbousiers. La couleur verte prédomine dans les paysages. La vie quotidienne dans ce cadre idyllique, bien que rude et parfois tragique, était donc faite aussi de douceur, de joie et de félicité. Chapitre 1 de Edmond et autres caractères, donc de Jean Giono. Les routes font prudemment le tour du haut pays. Certaines fermes sont à 10 ou 20 kilomètres de leur voisin le plus proche. Souvent, c'est un homme seul qui devrait faire ses kilomètres pour rencontrer un homme seul. Il ne les fait pas de toute sa vie. Ou bien c'est une tribu d'adultes, d'enfants et de vieillards qui devraient aller vers une autre tribu d'adultes, d'enfants et de vieillards pour y voir quoi ? Des femmes démantelées par les grossesses répétées, des hommes rouges et des vieillards faisandés, des enfants aussi d'ailleurs, et se faire regarder de haut ? On s'en fiche. Si on veut se faire voir, ça se fera aux foires. 30 ou 40 kilomètres sépare les villages qui restent soigneusement sur les pourtours où passe la route. Dans les terres, hêtres, châtaigniers, chênes rouvres,
être de plus en plus énorme et haut à mesure qu'on pénètre plus profond, rouvre de plus en plus millénaire, loin de tout commerce avec les hommes, des familles de bouleaux, très belles en été, et qui disparaissent blanc sur blanc dans la neige. Sur les landes, des lavandes, des genêts, de l'alpha, du carex, de dents de lion, puis des pierres roulées, comme si jadis dans ces hauteurs passaient des fleuves. Enfin, au grand large, des pierres plates, sonores comme des cloches, reproduisant le moindre bruit. Le saut d'un criquet, le trot d'une souris, le glissement d'une vipère ou le vent qui prend appui sur ces tremplins telluriques. Le ciel est souvent noir, ou alors bleu marine sombre, mais l'impression qu'on en reçoit est celle qu'on recevrait du noir, sauf à l'époque où fleurit un réséda sauvage, dont l'odeur fine est si soyeuse qu'elle dissipe toute mélancolie. En dehors de cette époque du réséda, le beau temps ici n'est pas gai. Il n'est pas triste non plus. Il est autre chose. Ceux à qui il convient ne peuvent plus s'en passer. Le mauvais temps aussi est très séduisant. Il prend tout de suite des allures cosmiques. Il y a du galactique et même de l'extra-galactique dans son comportement. Il ne peut pas pleuvoir ici comme ailleurs. On sent que Dieu s'en occupe personnellement. Le vent y prend nettement en main les destinées du monde. L'orage y modifie ses données. Il n'éclaire plus et il ne fait plus de bruit. Tous les objets métalliques se mettent simplement à luire. Boucles de ceinture, crochets de souliers, agrafes, lunettes, bracelets, bagues, chaînes. Il faut se manier avec précaution. On rencontre souvent 20, 30 êtres superbes, foudroyés, côte à côte, morts de la tête aux pieds, carbonisés, debout, noirs, attestant qu'il se passe quelque chose dans ce silence. Les crépuscules sont plus souvent verts que rouges et ils durent très longtemps, si longtemps qu'on est à la fin obligé de s'apercevoir que la nuit est tombée et que la lueur vient maintenant des étoiles. Ici, elles éclairent, elles suffisent pour qu'on se reconnaisse dans un chemin. On en voit peut-être plus qu'ailleurs. Ce qui est sûr, toutefois, c'est qu'elles sont plus grosses, l'air y étant pour quelque chose. Soit que sa pureté, qui est extrême, mette à vif les constellations, soit que certains prétendent qu'ils contiennent une matière faisant office de loupe. Évidemment, personne ne peut se flatter d'avoir été par nuit noire au grand large. Dans les cas où elle est prévisible, on se carapate avant qu'elle soit là. Il y a une façon de se conduire envers ce pays qui a été mise au point par les ancêtres et qui a donné d'excellents résultats. C'est même la seule. On s'y conforme. Chaque accident qu'on a vu arriver, et il ne se compte pas, et il y en a d'étranges, viennent tous d'une entorse à ces sortes de règles ou de lois. Rien n'est plus facile, par exemple, que d'aller de Ville-Sèche au pas de Redortie en plein jour. C'est l'affaire d'une petite heure. Le paysage n'est pas encourageant, mais c'est faisable. Il n'y faut qu'un peu de volonté ou de passion, si c'est à la chasse, ou de la bêtise, si c'est gratuit. Mais un jour où les nuages sont bas et épais, la nuit tombe, allez-y, personne ne s'y risquera. Thank you.
maintenant, je laisse la parole à Marc Georgi. Les rites magiques. Dans la Corse traditionnelle, les pratiques rituelles étaient très nombreuses. Certaines, comme l'abattage des cochons, relevaient de la vie quotidienne. D'autres, comme les pratiques de désengloutement, présentaient un caractère magique. L'abattage des cochons se déroulait selon un processus bien défini. Le choix de la période était primordial. Les tombées commençaient à partir du mois de décembre et se poursuivaient jusqu'à la fin de février. À ce moment de l'année, les porcs avaient atteint une taille et un poids acceptables et la baisse de la température permettait une bonne conservation de la viande, à une époque où les réfrigérateurs n'existaient pas. Tous les jours, on entendait les cris des bêtes venant de différents endroits du village et on savait que telle ou telle personne était en train de tuer son cochon. Les différentes étapes se succédaient dans un ordre immuable. La bête, les pattes liées par des cordes, est amenée sur les lieux du sacrifice. Elle pousse des cris stridents. Des hommes la suspendent à la verticale, sur la branche d'un arbre, le groin touchant le sol. Une femme accourt. Elle va laver la gorge du cochon. Puis l'homme chargé de la mise à mort enfonce son couteau dans la chair de l'animal et transperce le cœur. Le sang qui jaillit est recueilli dans un récipient. La bête morte est ensuite allongée sur des tréteaux. Hommes, femmes et enfants participent au nettoyage du corps. Aussitôt après, le tueur du cochon a pour tâche de l'ouvrir et d'obtenir deux carcasses qui sont mises à l'abri dans une cave bien fraîche, en vue de la découpe qui n'aura lieu que le lendemain. Cette première journée se termine par le lavage des intestins. À midi, tous les participants à l'opération sont invités à manger le cabri en sauce préparée par la maîtresse de maison. Une place de choix est réservée à l'homme qui a tué et ouvert le cochon. La journée du lendemain débute par la découpe des carcasses. L'expert sait comment s'y prendre pour obtenir les différentes pièces. Sa tâche est à présent terminée. Les femmes prennent la relève. Certaines d'entre elles préparent les boudins et l'estomac du cochon ou intre, tandis que d'autres sont chargées de choisir et de trier les différents morceaux. Ensuite, elles procèdent au hachage et à l'embossage, mis en boyau, de la viande hachée. Figadelli et saucisses sont prêts à être suspendus pour la fumaison. Après cela, il faudra placer dans le saloir les prisotti, les coppe et les lonzi, qui seront accrochés aux solives 40 jours plus tard pour y être enfumés et séchés. Il ne reste plus alors qu'aux femmes qu'à préparer les fromages de tête et à faire fondre les graisses pour obtenir le saindoux et les graillons. D'autres rites peuvent être caractérisés de magique, comme par exemple la technique du désenvoûtement, où les gestes rituels et les prières mystérieuses se succédaient pour effacer les effets néfastes du mauvais œil, l'innotiador. Il arrivait souvent, en effet, que des personnes bien intentionnées adressent à d'autres personnes, à des enfants en particulier, des compliments sincères tels que « Oh, le beau garçon, quelle belle fille !» Il fallait aussitôt prononcer une phrase magique où l'on invoquait le nom de Dieu. Que Dieu le garde, que Dieu le bénisse. On pouvait aussi faire les cornes. Si on oubliait toutes ces précautions, la personne allait être victime du mauvais œil et développer tous les symptômes de la maladie. Maux de tête violents, fièvre, nausées, lassitude. Elle était innotiade. À ce stade-là, pour la guérir,
il ne restait plus que la solution de faire appel à une femme qui savait signer. L'initiation à cette pratique mystérieuse avait lieu uniquement pendant la nuit de Noël, par la transmission de gestes, de formules et de prières que la femme candidate devait apprendre par cœur et ne dévoiler à personne, en dehors de cette nuit, sous peine de perdre ses pouvoirs. La personne malade se rendait donc chez la femme initiée, Asignador. Cette dernière, après avoir fait 3 signes de croix et bâillé bruyamment à plusieurs reprises, laissait tomber quelques gouttes d'huile dans une assiette remplie d'eau, tout en grommelant des phrases et des formules secrètes et brigantes, et en observant le contenu de l'assiette. Selon la forme que prenaient les gouttes d'huile, elles pouvaient se disperser dans l'eau ou rester intactes, la Signador était capable de dire si la personne souffrante avait été victime du mauvais œil ou pas. Les gouttes d'huile se diluant dans l'eau prouvaient bien que le patient avait été envoûté, inocchiato. Le charme était alors rompu, l'occhio è rotto, et la personne guérit. Si les gouttes restaient entières, elles n'avaient pas été envoûtées. La Signador continuait encore sa prière pendant un long moment en faisant des signes de croix sur la tête du patient qui rentrait chez lui satisfait. De l'orage. C'est le chapitre sur les salaisons. Bonjour ma fille. Vous êtes seule alors aujourd'hui? Oui. Mon mari est parti avec son frère. Elle n'est pas seule, dit Valérie, elle est avec nous. C'est vrai, dit Delphine. En vérité, les femmes n'ont que les femmes. Regardez-moi ça. Si maintenant le temps est sombre, j'aime mieux être ici que tout à l'heure du côté de la Désirade. Valérie, demande Esther, qu'est-ce que je te fais maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire, dit Valérie. Tout à l'heure, on débarrassera cette table et on y mettra le cochon mort. Puisque Delphine est venue, on ne va pas lui faire perdre son temps. Et je suis venue pour travailler, dit Delphine. C'est tout haché, comme je vous l'ai fait dire. Haché. Et salé, dit Ariane. Salé et poivré, je m'en occupe, moi, dit Delphine. Alors, on pourra faire les saucisses et les andouillettes. Ce que tu pourrais faire, Esther, dit Valérie, ça serait de me préparer un peu ces petits-là, et puis de me les pousser dehors, qu'ils aillent à l'école. S'ils restent là, ils vont encore se gonfler de graillons et de panne crue. Ça, dit Delphine. Le fait est que ton Jules, la dernière fois, j'ai bien eu peur qu'il en crève. Alors, dit Esther en lui mettant sa blouse, tu manges la panne crue? Jules est l'aîné. Avec ses 8 ans, il a une grosse ride double dressée entre les deux yeux. Après, c'est Maurice. Et puis Rose et Joséphine. Et Marie, la dernière, qui a 2 ans. Donnez la main à Marie des deux côtés, dit Valérie. Rose, une main, et Maurice, une main. Et toi, Jules, mène-moi ça à l'école. S'il pleut à 5 heures, tu mettras ton frère et tes sœurs sous le préau et tu viendras me le dire. Ne revenez pas avant 5 heures. Et maintenant, nous voilà tranquilles.
le feu flambe. Les flammes secouent les ombres jusque dans le fond de la salle, comme en pleine nuit. Ariane est partie dans le dedans de la maison. Tranquille, dit Delphine. Qui peut être tranquille? Il y a ceux qui ont et ceux qui attendent. Ceux qui attendent ont à leur tour. Ariane appelle qu'on vienne l'aider. Esther, dit-elle. Delphine fait signe avec le doigt à Valérie. Viens ici. Approche-toi. Combien de temps qu'elle est mariée? Dit-elle en montrant là-bas d'où Esther est sortie et où passe l'ombre des flammes dans la porte ouverte. Un mois, dit Valérie. Commencement, dit Delphine. Vous avez vu quelque chose pour elle? Demande Valérie. Je n'ai rien vu, dit Delphine. Je ne me suis pas occupée d'elle. Attention, dit Ariane dans le couloir, et Esther trébuche contre les pieds du pétrin. Elles entrent. Elles portent ensemble une lourde bassine. Le sang. Venez le mettre près de moi, dit Delphine. C'est un beau sang. Elle regarde Ariane, elle lui cligne de l'œil vers Valérie. Valérie, dit Ariane, va chercher la viande entière. Viens, dit Delphine, donne ta main, ma fille. Elle prend la main d'Esther. Ouvre-la. Ouvre-la bien. Donne la bruyère, Ariane. Ariane tire une branche de bruyère de la poche de son tablier. Delphine la trempe dans le sang. Elle fait tomber une goutte de sang dans la main d'Esther. Ferme la main. Serre ton destin. Ouvre la main, ma fille. Fais voir. Le sang écrasé a coulé dans les lignes de la main et y fait des figures. Delphine oriente la main d'Esther vers les flammes. C'est bon, dit Delphine. Essuie-toi. Non, essuie-toi, mon tablier. Valérie est revenue avec un quartier de cochon. Allons, dit Delphine. Dressons-nous et travaillons. Ne laissez pas tomber le feu. Il ne faut pas que le gour puisse prendre la graisse et apportez-moi tout le Bataclan. Elle déblaye la table et les autres trois vont à la resserre chercher et apporter les terrines pleines de viande hachée et le baquet où trempent les tripes de mouton. Quand elle retourne, Delphine est penchée sur la bassine de sang. Fleur ? Demande Ariane. Fleur, répond Delphine. Fleur, dit-elle, comme à elle-même, et avec son doigt, elle dessine dans l'air les plis et les replis de la ligne qu'elle s'appelle Fleur, et qui est le dessin de la petite moire cristalline déposée sur le sang. Elle s'arrange pour s'approcher d'Ariane. Ne touche pas le paquet de tripes, dit-elle. Ne les laisse pas toucher. Il faut que je sois la première à y mettre la main. Qu'est-ce que tu as vu? Rien. Alors vous deux, ne touchez pas les tripes, dit Ariane. Delphine se les réserve. Tiens, place-moi ce tablier où elle s'est essuyée les mains et donne-moi un autre. Non, plie-le en dedans, que rien ne touche la trace. Prête-moi un peigne. Il est derrière la grâce, prenez-le. Delphine dénoue le lacet qui attachait ses cheveux blancs en forme de queue de cheval. Elle démêle ses cheveux. Le fichu vous emmêle tout si on marche un peu. Elle les peigne, elle les tire en arrière, elle les lisse bien, elle attache dur le lacet, elle se tord un petit chignon gros comme le poing et dur comme une pierre. Elle s'est découvert un grand front, de larges oreilles et une nuque jaune et nerveuse comme le cou plumé d'une poule. Je me lave et je suis prête. Elles ont installé la longue et large table devant le feu. Valérie l'a recouverte d'un vieux drap propre. Ariane a démoulé les terrines de viande hachée. Le feu fait lever l'odeur sauvage de la chair crue. Elles sont toutes les trois en train de travailler la viande crue avec leurs mains. Et Delphine vient s'y mettre. D'abord, elle ne parle pas. Elles pétrissent.
écrasent soigneusement entre leurs doigts le gras et le maigre. Puis, de ce plaisir, leur vient la pensée de la vie. La parole à Marc Giorgi. La force des hommes. À Pietradeverde, en Corse, au tout début du XXe siècle, vivaient deux hommes qui étaient connus et admirés pour leur force physique exceptionnelle. Leur réputation avait franchi les limites de notre village. Orso Leone et Ours Lion Alerini étaient nés en 1867. Sa bonté, sa gentillesse et sa générosité étaient légendaires, mais pas autant que sa force physique, qui était, au dire de tous, surhumaine. Près d'un siècle plus tard, les plus anciens du village, admiratifs, racontent encore des anecdotes le concernant, comme celle de la charrette embourbée. Après la guerre de 14-18, dans nos villages, le transport des marchandises se faisait encore sur des charrettes, égales, tractées par des mules. Ces marchandises arrivaient en gare d'Alestre. Il fallait ensuite les amener jusqu'à Pietre par la route qui, l'hiver, avec le mauvais temps, devenait une piste boueuse, difficilement praticable. Ce jour-là, Orso Leone était parti de bon matin pour Alestre, accompagné de son beau-frère, Philippe, pour récupérer et charger sur la charrette les produits et les denrées en provenance de Bastia. À midi, les deux hommes s'étaient arrêtés à l'auberge Costa pour y déjeuner. La patronne était désolée de ne pouvoir leur offrir pour leur repas que des œufs. Des œufs, dit Orso Leone, ça me va très bien. Pouvez-vous me faire une omelette? Bien sûr. Vous voulez combien d'œufs pour votre omelette? Mettez-en une douzaine. Lorsqu'il entend cela, Philippe est scandalisé. Après le repas, toujours aussi indigné, il manifeste sa réprobation. Tu ne pouvais pas te comporter comme tout le monde? 12 œufs pour une omelette, ça ne s'est jamais vu. Tu m'as fait honte. Orso Leone ne répond pas. Il faut à présent remonter au village, avec la charrette au maximum de sa charge. Bientôt, un orage éclate et la route devient un ruisseau de boue. Les chevaux ont du mal à avancer. Une roue de la charrette, lourdement chargée, s'enfonce jusqu'à l'essieu dans une ornière. Des hommes nombreux viennent à la rescousse. Ils n'arrivent pas à dégager le véhicule. « Laissez-moi faire, » dit Orso Leone. Il s'accroupit sous la charrette. Son épaule est en contact direct avec l'essieu de la roue embourbée. Il s'arc-boute et donne le maximum de sa force pour extirper la roue de l'ornière boueuse. Les hommes et les chevaux participent à l'effort. Bientôt, grâce à la puissance physique d'Orso Leone, la roue repose enfin sur un sol stable. La charrette peut repartir et arriver au village sans encombre. Philippe, quelques instants auparavant très en colère contre son beau-frère, à présent s'avance vers lui, rayonnant et dit pour que tous les autres entendent. Tout à l'heure, lorsque tu as demandé à l'aubergiste une omelette de 12 œufs, j'ai eu honte et je t'ai maudit. Mais après avoir vu ce que tu es capable de faire, je suis fier d'être ton beau-frère.
et je comprends maintenant que pour produire une telle force, tu aies besoin de manger beaucoup plus qu'un homme ordinaire. Charles Mathieu Valère est né en 1883. On le surnommait Charles Pitt, Pain, à cause de son teint coloré. Il était capable de soulever un sac de pommes de terre de 80 kilos avec ses dents, par la seule force de sa mâchoire. Lorsqu'il fallait décharger le mulet de sa charge de bois, il ne s'embêtait pas à enlever les rondins l'un après l'autre, comme cela se fait habituellement. Il prenait le bât avec sa charge complète et le mettait directement sur le sol pour gagner du temps et soulager la bête rapidement. On raconte qu'un jour, un homme fort d'un village voisin était venu pour se mesurer à lui. Charles accepta le combat, sûr de sa force et de sa victoire, mais ne voulant pas humilier son adversaire, il posa la condition suivante. « Je suis d'accord pour combattre avec toi, mais avant le véritable combat, faisons d'abord un essai qui nous servira d'entraînement. » « D'accord pour le test avant le combat, » dit l'autre. Les deux hommes s'empoignent. Charles étreint un peu trop vigoureusement la cage thoracique de son adversaire que ce dernier, ne pouvant plus respirer, est sur le point de défaillir. Il a juste assez de souffle pour dire à Charles Pitt « Arrête, je t'en prie. Si c'est ça un simple essai, je n'ose imaginer ce que serait le véritable combat. Je reconnais que tu es le plus fort. Ta réputation n'est pas usurpée. » Mobilisé en août 1914, comme ses trois autres frères, Charles fut tué le 8 août 1916 lors de la bataille de la Somme. Christine Bretonnier. Alors, je vais vous lire un passage de Deux cavaliers de l'orage qui s'intitule « Les courses de la chaux ». Tu as acheté un cheval ? Non. J'ai tué du cheval. Mon fils, tu as peut-être alors commencé quelque chose qui nous mènera loin. Non, mère. Ça ne nous mène nulle part. Ça nous mène ici, où il va y avoir tout à l'heure, quatre amis autour d'une table. Et je comprends ce que tu veux dire. Tu as déjà vu que ce devait être une belle bête. C'était peut-être la plus belle bête de toutes les vallées là-bas derrière. Et je l'ai tuée. C'est moi qui l'ai tuée, en pleine rue, devant tout le monde. Oui, c'est mon frère qui l'a tué. Et maintenant, à la chaux, les langues doivent marcher là-dessus. Et d'un bon moment, elles ne s'arrêteront pas de marcher. Oui, je l'ai tué.
Et si son propriétaire était encore vivant, il me remercierait. Mais il est mort. Nous avons attendu à la chaux jusqu'à ce qu'il soit mort. Vous croyez que j'ai bu? Oui, j'ai bu, un peu. Mais si je parle, c'est parce que j'ai été remuée par autre chose. Maintenant, je peux être amie avec tout le monde. C'est fini. Bellini peut aller voir mes clients s'il veut. Il peut aller faire la tournée en se cachant dans la nuit. Il peut y partir dans le plein jour. Je ne lui dirai plus rien. Je lui dirai, fais ta place au soleil. Marceau, Jason, te laisse libre. Si vous avez quelque chose à me reprocher, qui que vous soyez, dites-le franchement. N'ayez pas peur, je vous écoute. Je suis le calme en personne. J'ai tué le cheval dans la rue Maraîchère, presque devant l'hôtel. Il est arrivé là, dans le monde. Il a sauté par-dessus des femmes renversées et je me le suis vu sur moi. Il me semble qu'il est encore en l'air, je le vois toujours. Une seconde au-dessus de moi. Il avait de grands yeux noirs de larmes et un peu de vapeur dans les narines. Entre ses deux sabots de devant dressés, une poitrine pointue comme un devant d'oiseau plumé. J'ai vu qu'il était fou, j'ai vu qu'il était nu, sans bride ni mort. Je me suis dit, quoi faire, je ne sais pas. Le temps d'un éclair, imaginez-vous, il est là en l'air et moi je me sens devenir de plomb là-devant. Je pousse mon cadet, il tombe. J'ai glissé. Alors je me sens vraiment de plomb. La rage, je n'entends plus rien. Le silence. Il me semble que le cheval retombe. Doucement, comme un cheval de plume. Il bascule. Je vois son cul qui se relève derrière lui comme un drap plein de vent. Tout d'un coup, sa grosse tête me remplit les deux yeux. Alors je frappe de toutes mes forces. Qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Les nerfs, non. En me voyant, en pensant, j'ai encore les nerfs croisés sur la poitrine. Je suis devenue un plomb. Je n'ai pas bougé d'un pas. J'ai frappé. Je suis restée là. C'est après que j'ai essayé de relever une de mes jambes. Il me semblait que j'étais plantée dans la terre jusqu'au genou. Qu'est-ce que j'ai fait après? Tu m'as appelé? Je t'ai appelé, oui. Et le cheval? Oui, je t'ai appelé. Je ne savais plus où tu étais. J'étais debout derrière toi. Je te criais, je suis là. Oui, à ce moment-là, j'avais commencé à entendre le bruit. Il me cornait dans les oreilles le cri des femmes et le cri d'une femme. J'ai recommencé à entendre au moment où j'ai essayé de tirer ma jambe de ce poids de plomb qui m'enfonçait dans le pavé. Et le cheval, je ne voyais plus rien. Tout le monde était mélangé, il n'y avait plus de cheval, il n'était plus en l'air. Et je t'ai entendu derrière moi, tu m'as dit « Je suis là !» Puis, qu'est-ce que j'ai fait alors? Rien, tu restais planté. Oui, planté, drôle de chose, ce plomb qui m'a changé le sang tout d'un coup, en même temps qui m'écartelait la rage à me foutre par terre. Mon bras pesait 1000 kilos. Je t'ai vu frapper, j'étais renversée par terre, moi. Quand tu m'as poussé, j'ai glissé. J'étais tombée par côté, j'ai vu où tu as frappé, tu m'as même pas fait un gros geste. Tu as frappé juste à côté de l'oreille, entre l'oreille et le front. J'ai entendu crier, je me suis dit, il a écrasé un enfant. C'est le cheval qui a crié, il a jeté sa tête de côté comme s'il refusait. À ce moment, il arrivait par terre, parce que quand tu l'as frappé, il était encore en l'air. Je ne sais pas comment tu as fait, si tu as sauté. Moi, je ne t'ai même pas vu bouger. Mais quand tu l'as frappé, le cheval était encore en l'air. Ses sabots ne touchaient pas terre. Le coup l'a poussé de côté. Et comme il a mis ses sabots par terre, ses jambes se sont pliées. Je l'ai vu rouler. J'ai entendu sa tête frapper le pavé. Je me suis relevée comme un ressort, parce qu'il allait me rouler dessus. J'ai entendu son ventre se coucher par terre. Au moment où je le voyais encore tout noué en l'air, il s'est dénoué par terre. Il est mort en l'air. Il est mort quand tu l'as frappé. Je ne l'ai frappé qu'une fois. Il n'y avait plus de bruit, il n'a même pas râlé. Il s'est allongé. Il y a un moment où plus personne n'a rien dit, même pas la femme. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Toi, tu t'es mis à gueuler comme un veau. Oui.
qui avait laissé partir ce cheval nu? Quel est l'imbécile qui avait lâché ce cheval fou à travers la foire? S'il avait eu un mort, une bride, j'aurais essayé de l'arrêter. Mais j'avais vu tout de suite qu'il n'y avait rien à prendre. Il était lisse de partout, comme une goutte d'eau. Va t'accrocher là-dessus, accroche-toi à de l'huile pour te faire crever. Il n'y avait pas autre chose à faire que ce que j'ai fait. Des frères Jason. L'hiver de cristal arriva. L'air glacé, comme un alcool très pur, agrandissait toutes les formes, et les rares oiseaux énormes qui traversaient le ciel désert y traçaient de toutes les pointes de leurs plumes de longues éraillures diaprées. Marceau monta la cloche neuve dans la cour du clocher sur ses épaules, comme un simple sac de farine, et du dehors par une échelle. Comme il remettait pied à terre, mon cadet enleva son manteau. « Je veux me battre avec toi, » dit-il. « Bon, » dit Marceau. « Quand ?»« Tout de suite. »« Où ?»« Ici. »« Bon, allez chercher des bottes de paille. » Les hommes étaient masqués dans leur cache-nez jusqu'aux yeux. Ils avaient tiré leur béret sur les yeux, on ne voyait plus que leurs yeux. Ils rejetèrent leurs manteaux sur leurs épaules. Ils apportèrent les bottes de paille avec leurs mains gantées de laine, sous leurs pans des pèlerines, puis ils se renfermèrent dans leurs manteaux pour regarder. Ils étaient tous les deux torse nus. Attends, dit Marceau, tu n'as pas froid? Non. Il faut que je me souvienne de quelque chose. Il faut que ce soit régulier. Voilà, je sais. On se salue. Il salua son frère qui le salua. Et on dit, nous jurons qu'il n'y a entre nous ni haine particulière, ni question d'intérêt, et nous allons nous battre loyalement devant vous pour l'art de la lutte. Bien sûr, dit mon cadet. Non, mais dit Marceau, c'est la règle. On doit dire ça. Je l'ai dit, dis-le. Mon cadet répéta. Et salue-moi encore une fois, dit Marceau. Ils se saluèrent. Marceau, bras ouverts, feinta vers la gauche. Le cœur de mon cadet brûla de joie. Cette fois, il n'y avait pas de mépris. On employait même les ruses. Et l'œil de Marceau voltait dans les grands sourcils comme une abeille engluée dans de la laine. Mon cadet esquiva l'approche avec une petite danse d'ours. Au bout de la feinte, à gauche, Marceau attaqua d'un bras roulé à droite, dans toutes les règles de l'art. Mon cadet sentit la prise
s'attaquait à ses flancs avec une brutalité contre laquelle il fallait faire l'homme. Sur le moment, voyant venir sur lui lentement les bras ouverts de Marceau, il avait eu peur que ce ne fût une embrassade. C'en était une. Mais il fut réchauffé jusqu'au bout des doigts. Son corps s'enflamma en plein. Enfin, la paix dans la bataille. Le plus grand bonheur du monde, c'est d'avoir des dimensions honorables. Il écarta ses jambes pour se baser. Il prit le temps d'assurer ses reins bien d'aplomb. En reculant un peu son pied gauche pour prendre appui en arrière, il fit face. Il fit mieux. Il s'avança. Pas de beaucoup. Ils étaient déjà presque entrelacés l'un à l'autre dans les commencements. Mais si on veut compter, il faut faire souffrir. Et pour faire souffrir, il faut entrer dans ce qu'on a en face d'abord. C'est sur celui contre lequel on se bat qu'on s'appuie le mieux. Il s'appuya genou contre genou, poitrine contre poitrine, épaule contre épaule, menton contre menton. Mon cadet essaya de glisser son bras gauche sous le menton de Marceau. S'il y arrivait, il forcerait et le ferait sauter. Il y arriva. Le manteau glissa, se reprit, glissa, grogna et sauta. Mon cadet vit passer devant son œil tout le visage renversé de Marceau. Mais tout de suite, mon cadet perdut de vue cette bouche rouge, ouverte, avec ses brèches dents noires où se gonflaient des bouts de langue. Il frappa ce menton avec son crâne et il poussa sa tête contre le gosier de son frère jusqu'à ce qu'il sente, dans l'épaisseur de ses cheveux, le petit pointu de la pomme d'Adam. Son visage se frottait dans la poitrine poilue de son frère. L'odeur acide de la sueur, que le gel séchait tout de suite, lui piquait le nez. Des mouvements monstrueux grondaient dans cette poitrine et des vagues brusques de peau et de muscles sautaient durement contre sa bouche et ses yeux. Il continuait d'écraser la gorge de son frère avec tant de force que les ailes des muscles qui enracinaient ses bras dans ses épaules s'étaient pétrifiées toutes ouvertes comme les ailes des aigles frappés en plein vol. Enfin, dans le tumulte qui bouchait ses oreilles, il commença à entendre des coups sourds, frappés fort et très vite. Cela arriva en même temps qu'un ressac très violent le secoua et l'enlaça si brutalement et si vite qu'il perdit complètement la terre et il se sentit soulevé comme s'il allait être rejeté de l'autre côté des montagnes. Quand il entendit retentir brusquement la cadence des coups sourds, il retomba d'aplomb sur la terre. Il reprit pied. Il n'était plus ébranlé que par des restes de violence. Enfin, ce sur quoi il appuyait sa tête s'effondra. Et il tomba lui aussi en même temps, entraîné en avant. Il roula sur Marceau, qui avait écarté ses bras en croix et était étendu à plat dos dans la paille. Mon cadet respira vite, à pleine gorge. L'air glacé lui lava les yeux de ses visions bleues et vertes. Et au-delà de ses tronçons de serpents et de lézards qui l'aveuglaient, il vit le visage de son frère. Il ne le reconnut pas. Il était noir comme celui d'un nègre. Il se redressa d'un bond. Marceau fut sur pied en même temps que lui. Il essayait de parler, mais il ne pouvait pas et faisait seulement des gestes. Mais comme une braise que le vent souffle, son visage noir devint rouge par endroits. Il dit « Je ne suis pas battu. »« Moi non plus, » dit mon cadet. « Toi non plus, » dit Marceau, « tu vas voir. » Et il sauta sur lui. Ils tombèrent. Toute l'assemblée des manteaux se précipita autour d'eux avec des palpitements d'ailes noires. Les reflets des gestes de la bataille agitaient tous les bras sous les pèlerines. Les hommes sautaient tous ensemble, en arrière, dans leurs grands manteaux noirs. Ils sautaient tous ensemble en avant. Puis de nouveau, ils reculaient en ouvrant leurs bras, recouverts de grands pans de laine des pèlerines, comme des corbeaux battent de l'aile autour d'un mort dont ils coupent les muscles.
Turcan releva son béret, baissa son cache-nez, décolla le gel de sa bouche. « Trop vieux, » dit-il, « plus de souffle, n'en peut plus. » Il remonta à son cache-nez, tira son béret sur ses yeux, regarda la bataille, sautant sur place, dans ses grandes ailes de laine. Paillon le jeune baissa son cache-nez, releva son béret. « Cadet a 20 ans de moins, » dit-il. Puis il fit un saut de côté, car la bataille lui roulait aux pieds. « Et la même mère, » dit-il. « Quoi ?» dit Faury. « Je dis, » dit Paillon le jeune. Mais il faillit être renversé par la bataille qui lui bouillait de haut aux jambes. Il ouvrit les bras sous son manteau, faisant reculer ceux qui, derrière lui, le poussaient trop en avant. « Je dis que c'est la même mère qui les a fait l'un et l'autre. Ça n'est pas étonnant. » Mais Marceau souffla un soupir de bœuf. Il haletait, abandonné de tout son long dans la paille. Mon cadet, le même, le maintenait renversé avec une main timide, toute tremblante, qui aurait à peine tenu une mouche. Et Marceau ne repoussait pas cette main. Il s'y accrochait, il la serrait contre son cœur, puis la repoussa. Il se mit lentement à genoux et il se dressa. « Non !» dit-il. « Non, 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 petit, je ne suis pas battu, pas du tout. C'est mon cadet, comment voulez-vous ? Non !» Il regarda tout le monde autour de lui. « Quoi ? Qu'est-ce que vous croyez ? Et toi ? Qu'est-ce que tu dis ? Comment veux-tu que je sois battu, moi ? Non !» Il secoua la tête. « Non, ce n'est pas possible. C'est mon cadet. Il ne faut pas. » dit-il à voix basse. « Repose-toi, » dit mon cadet. « Respire. C'est fini. Qu'est-ce qui est fini ? Où vois-tu que c'est fini ? Je n'ai pas besoin de personne pour respirer. » Et il fit semblant de rire. Il releva sa grosse tête aux grosses bajoues. La moue de sa bouche gonflait lourdement sa lèvre du bas et le rire tranchait ses deux joues de rides immobiles. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » dit-il. Il regarda mon cadet bien en face. « Il faut nous battre, » dit-il. « C'est fait, » dit mon cadet. « C'est à refaire, » dit-il. « Pourquoi ?»« Pour tout. Tu es prêt ?»« Je suis prêt. » Marceau ouvrit ses bras en croix. Dressé par la pointe des pieds, il regarda une dernière fois autour de lui. « Taisez-vous, » dit-il. Mais les manteaux noirs ne parlaient pas. Les bouches étaient cachées sous les cache-nez. Il n'y avait que les yeux vivants sous les bérets. Tendus en avant, les bras et les bras ouverts, il semblait que Marceau voulait essayer de voler. Ils se jetèrent l'un contre l'autre. En échappant en bras, mon cadet frotta sa tête contre la poitrine de Marceau. Il entendit de nouveau les furieux coups de sourd. Il comprit que c'était le cœur de son frère. Il se sentait, lui, propre, net, sec et dur, comme un fuseau de quenouille. Il lui glissait des mains. Il prit audace et appuya carrément son épaule contre le ventre de Marceau. Il essaya de le ceinturer. Marceau le saisit aux hanches et le souleva. Il fallait se faire d'huile, tout de suite, en bloc. Marceau allait se le charger sur l'épaule et le jeter à terre. Au moment précis où il perdit pied, mon cadet, au lieu de résister, fit ressort de tout le bout de ses orteils et lança ses jambes en l'air. Les mains de Marceau abandonnèrent ses hanches le temps d'un éclair. Juste le temps. Mon cadet crocheta l'épaule de Marceau sous son genou droit, laissa pendre sa jambe gauche et, sans se servir de sa force, pesant lentement à faux de tout son poids, il saisit la cuisse gauche de Marceau et il le renversa. Il se sentait plein de mouvements aisés, souples et victorieux. Comme il tombait en même temps que son frère, sa force se réveilla. Tel un serpent, elle jetait de tous les côtés des enlacements joyeux dans son corps. Il enjamba son frère, résista au fléau de ses jambes, maîtrisa la cuisse gauche qu'il n'avait pas lâchée et l'écrasant sous sa poitrine, il jeta ses deux bras sur la cuisse droite qui continuait à reguinguer toute seule en saut de carpe. Mais un énorme soleil de feu, rouge et salé, éclata dans sa tête
aveuglant ses yeux, emplâtrant subitement sa gorge d'un mortier qui l'étouffa. Marceau l'avait frappé en plein visage avec le talon ferré de sa botte. Marceau replia sa jambe et frappa encore un coup de toutes ses forces. Comme il relevait la tête pour voir s'il arrivait à se débarrasser du poids et des efforts qui écrasaient et tordaient sa jambe, il rua encore un coup de plein talon de botte dans ce masque d'argile rouge. Il fit fuser des jets de sang en étoiles, mais il entendit tonner dans sa tête comme un bruit de tonnerre, et tous les nerfs de sa mâchoire éclaboussèrent sa tête en lueurs terriblement glacées et tranchantes. De petits os froids roulèrent dans sa gorge. Il en avala et il en cracha. Un vent écœurant l'emporta à toute vitesse dans les hauteurs où son corps refusait de monter. Comme il arrivait à l'endroit où le souffle s'arrête, il resta suspendu hors du monde, le temps d'un éclair, puis il retomba. Alors, tout au long de son ventre et la tiédeur de ses boyaux vinrent battre dans l'ouverture de sa gorge et il se mit à vomir. Il lui fallait toutes ses forces pour s'empêcher de se vider en plein et durcir son ventre et résister aux soubresauts de sa tête qui essayait de l'emporter de nouveau dans les hauteurs au milieu de ronflements d'immenses ailes. Au moment où il n'y pensait plus, où il ne pensait plus qu'à lui, il entendit craquer l'os de son front. Tout de suite après, il vit le coup qui le frappait. C'était un coup bleu comme la foudre, avec une auréole tremblante d'ocre rouge. Mais elle n'avait pas encore cessé de frémir, et la nuit entrait à plein dans ses yeux, qui s'éclairèrent brusquement tous les deux d'une douleur dru comme un grand chêne doré des pieds jusqu'à la cime. Mon cadet s'était relevé, mis à genoux, ayant dégagé ses bras des bras mous de Marceau. Il frappa à coups de poing de toutes ses forces le visage de Marceau. Il chercha les yeux, frappa le front, trouva les yeux, appela toute sa force et frappa. Il était lui-même aveuglé par le sang qui jaillissait de son nez et de tout son visage déchiré par les clous de la botte de Marceau. De hautes vagues pourpres, haletantes devant ses yeux, lui cachaient le monde. Mais au milieu de son corps, juste dans ses hanches, où restait la meurtrissure des étreintes de la bataille, jusque sur son flanc droit, comme une énorme boule de fer, la colère roulait, éclairant un monde nouveau. Il frappa sur le visage comme sur quelque chose à construire. Marceau secoua la tête. Il essayait d'éclabousser les douleurs, mais il avait dans ses yeux deux meules de feu ruisselantes d'étincelles. Alors il sentit tout autour de sa ceinture le crépitement d'énormes feuillages qui s'enflammaient et il fut tout d'un coup incendié de colère. Il cracha un dernier caillot de jus aigre et de sang. Il baissa la tête, lança ses jambes et ses bras contre le corps de l'autre avec tant de force que chaque fois, son dos se soulevait de terre. Il se battait dans une obscurité totale, traversé d'ouragans de feu. Enfin, sous sa main large et ouverte, il trouva, perdit, chercha et retrouva un bas de ventre, une ouverture de cuisse. Il ruala dedans de toutes ses forces. Il entendit un cri terrible qui ressemblait au hurlement du vent et tout d'un coup, il fut déterré. Alors, il rassembla son désir de vaincre et peu à peu, il se mit debout. Quand mon cadet reçut le coup de botte, il était un peu de biais et en fut prévenu par une sorte d'avertissement du sang. Et sous le même coup, il présenta sa hanche, la semelle ferrée et arracha un peu de velours et glissant, herça de tous ses clous, mais juste de la pointe, le tendre l'entre-cuisse. Mais l'esquive, une douleur écœurante, arrêta son souffle et brusquement pour chercher l'air.
Mon cadet sauta debout comme un ressort en criant « Là !» Battu d'ivresse, il balançait pour s'écrouler de tout son long, quand à travers la tempête rouge de ses yeux, il vit monter lentement la forme noire de Marceau qui se redressait, ivre de mal et de colère. Il regarda l'autre aveugle qui s'établissait lourdement sur ses jambes bien écartées. Alors, de tout son cœur, il frappa de tout son poids avec la pointe de son soulier, bien à l'emplacement où l'autre portait son sexe. Et malgré l'effort, il resta debout pendant qu'il entendait, longtemps, longtemps, comme un éboulement de roche, le grondement de Marceau qui s'effondrait. Les maîtresses femmes. Le mariage entre François-Antoine Valère, 34 ans, et Marie-Benoîte Nicolai, 21 ans, faillit ne jamais être célébré à cause d'un fait divers qui aurait pu finir en tragédie. Un grand malheur fut évité de justesse et le mariage civil put donc avoir lieu le 7 novembre de l'année 1875. À la mairie de Pietradiverde, en présence de la mère de l'époux, Anne-Catherine Bruschini, veuve de Pierre-François Valère, âgée de 62 ans, et des parents de l'épouse, Antoine-Louis Nicolai, 44 ans, et sa femme, Marie-Joséphine, née Massogne, 38 ans. Selon les termes mêmes du contrat, tous étaient consentants. Consentants, les parents de la mariée ne l'ont été que contraints et forcés, mis devant le fait accompli, n'ayant d'autre solution que d'accepter, la mort dans l'âme, cette union improbable. Au début, ils y étaient farouchement hostiles, pour différentes raisons, et n'auraient jamais donné leur accord. Il fallait à tout prix empêcher cette union. Mais les deux jeunes gens s'aimaient profondément. Ils décidèrent de se passer de l'accord des parents, de s'enfuir, puis de revenir après avoir consommé leur relation. Devant le fait accompli, les parents ne pourraient que s'incliner et accepter la réalité des choses, comme cela se faisait généralement. François-Antoine et Marie-Benoîte seraient mari et femme envers et contre tous. Mais c'était sans compter sur la détermination et le caractère inflexible de Marie-Joséphine, à Signor Giuseppina, la mère autoritaire et intransigeante. Donc, les deux fugitifs reviennent au village, heureux et confiants, mais aussi un peu inquiets, surtout la jeune femme qui connaît bien sa mère. Ils sont accueillis par la communauté villageoise,
qui vient les féliciter comme cela se fait traditionnellement. On ouvre les portes, on débouche les bouteilles, on offre les frappes, on embrasse les nouveaux conjoints. Dans la foule dense et nombreuse, une femme, quelque peu excitée, joue des coudes pour se frayer un chemin. On la connaît, c'est Marie-Joséphine, la mère de Marie-Benoît. Elle parle fort. « Laissez-moi passer, je vais voir ma fille. » On s'écarte. Elle arrive enfin près de sa fille et se jette sur elle, faisant mine de vouloir la serrer dans ses bras. Mais, au lieu d'embrassade, elle sort de l'échancrure de sa robe une serpe qu'elle lève au-dessus de la tête de sa fille. Au moment où elle va frapper violemment la malheureuse pour la tuer, un témoin de la scène, dans un réflexe désespéré, a tout juste le temps de dévier l'arme qui n'atteint pas son but. La femme est maîtrisée. Les gens crient. On emmène la forcenée. Un drame familial épouvantable a été évité de justesse. La relation entre les deux nouveaux conjoints commence sous de bien mauvais augures. Dans les jours qui suivent, Marie-Joséphine, avec l'aide de ses proches, de son mari en particulier, retrouve ses esprits et sa raison. Devant l'inéluctable, elle ne peut que s'incliner et accepter à contre-cœur une situation qu'elle jugeait inacceptable. François-Antoine et Marie-Benoît seront bien mari et femme. Les bans sont publiés rapidement et le mariage a lieu. Marie-Joséphine, déjà mère de 7 enfants, 4 filles et 2 garçons, mettra au monde, un an après, en 1876, un 8e enfant, Antoine, né la même année et le même mois que Pierre-François, le premier fils de sa fille. Aimé par son mari, vénérée par ses enfants, elle s'éteindra à Pietra-d'Hiverne, âgée seulement de 54 ans, en 1890, 10 ans avant son époux. François-Antoine Valère et Marie-Benoît donneront naissance à 5 enfants, 4 garçons et une fille, avant de mourir prématurément, l'une en 1899, l'autre en 1901. 2 des garçons disparaîtront dans la tourmente de la Grande Guerre, dont Charles Mathieu, connu jusqu'à nos jours pour sa force physique phénoménale. Les 2 aînés mourront dans leur village natal, Pierre-François di Pacheco en 1934 et Auguste, mon grand-père, en 1965. Leur sœur unique, Anne-Catherine Quidiline, devenue veuve de guerre en 1917, un mois après son mariage, s'éteindra à Pietre en 1954. Maintenant, je laisse la parole à Christine Bretonnier. Alors là, je vais vous lire un passage d'Edmonde. Edmonde est un de ces errants, malgré sa paralysie complète, et peut-être en raison même
de cette paralysie. Anna, bien entendu, pas perdu le souvenir de ses gestes. Elle cherche à les oublier. Non pas qu'elle regrette quoi que ce soit, au contraire, elle est très fière de ce qu'elle a fait et qu'elle referait, si c'était à refaire, mais elle veut oublier par une sorte d'humilité. Il lui semble qu'après avoir si parfaitement réussi, il importe qu'elle se délivre de tout orgueil et qu'elle rende à Dieu ce qu'est à Dieu. Car sans lui, elle aurait pu être prise la main dans le sac au moins 3 fois. C'est pourquoi elle refuse d'être repliée sur elle-même et elle observe le monde. Grâce à l'intelligence de son observation, elle en fait partie. Elle s'y engloutit. Elle y disparaît. C'est l'habituelle ressource des pécheurs, de ceux qu'une morale terre-à-terre appelle pécheurs. Plus le péché est dit mortel, plus le monde est matériel et donne de l'esprit avec sa matière. C'est tellement vrai qu'à certains moments, quand elle a bien fait son compte, Edmond envoie Rachel chercher un cornet de grignon. Comme si elle en avait besoin, elle qui a tout. Du lièvre si elle en veut, des grives si elle en désire, et elle en désire. Des pluviers farcis, mitonnés dans la cocotte en terre, des truites que Ferdinand va pêcher pour elle, dans le jabron, du bœuf en daube, 100 fois meilleur que celui qu'elle mangeait à table d'hôte, mais qu'elle ne trouve pas meilleur, bien qu'on le fasse mijoter longtemps avec des couanes. Elle, qui a dans ses sous plus de 20 cochons, certainement beaucoup plus gras que celui qu'on a égorgé aujourd'hui chez Joseph Négrel, dit le Zoulou, d'où vient l'odeur. Et Rachel n'a pas vergogne. Rachel comprend qu'Edmond a droit au grignon. Et Joseph Négrel a beau savoir que dans les sous d'Edmond, il y a 20 cochons, il donnera le cornet du grignon à Rachel, si elle arrive la première, parce qu'il se rend compte qu'Edmond peut y prétendre. Il ne connaît pas le passé, bien entendu, personne ne le connaît. Mais il se base sur le fait que, sans droit bien établi, des gens comme les Edmond ne viendraient pas demander des grignons. Elle, comme une vieille reine, est très heureuse qu'on lui rende ses hommages, rien que sur sa bonne mine, pour ainsi dire, et parce qu'elle a percé à jour les hommes et les femmes, et que depuis qu'elle est immobile, elle a appris à connaître les vents, les pluies, les orages et le soleil. Et c'est bien sous l'aspect d'une reine qu'elle apparaît là-haut, sur sa terrasse du chalet suisse, assise dans son fauteuil, sur son trône, comme elle dit, car c'est une chaise percée, emmitouflée dans ses châles, des couvertures, ou chapeautée de son large sombrero de paille, suivant la saison, fumant son voltigeur, car c'est devenu sa passion, tenant le compte exact de tous les passants, les appelant par leur nom, leur prénom, leur surnom, ou les examinant en silence, en pouffant vers eux des bouffées de fumée de cigare. Faisant la causette, demandant qu'on lui rende un petit service, et c'est par exemple d'aller lui cueillir 3 pâquerettes dans le pré, ou 10 violettes au revers du talus derrière le hêtre, service dont elle n'a pas besoin. Rachel va lui chercher des pâquerettes et des violettes quand elle en a vraiment besoin, mais service qu'elle demande aux passants, qu'elle aime, dans le seul but de leur donner bonne conscience. À partir du mois de mai, on l'installe, ou elle s'installe, en faisant lentement rouler de ses mains gourdes les roues de son fauteuil sur la terrasse du chalet suisse face à l'est. Cette orientation n'est pas normale. On est à l'abri du vent que face au sud. Mais elle a choisi l'est. D'abord parce que c'est de ce côté que vient le printemps et aussi parce qu'elle peut ainsi profiter de la lumière froide du nord qu'elle aime et qu'elle reçoit de biais. On peut juger que le mois de mai est un peu tôt pour sortir une paralysée sur une terrasse dans ce pays où la première tiédeur du printemps ne tombe qu'au 14 juillet. Mais Edmond est bardé de graisse. C'est une baleine qui pourrait affronter les glaces du pôle Nord. Au surplus, elle se fait envelopper d'une limousine de berger à 3 collets à capuchon et elle a une chaufferette de braise sous ses pieds. Elle vient de passer tout l'hiver à côté du fourneau de la cuisine. Certes, les fenêtres sont larges au chalet suisse et bien à l'abri. Elle peut contempler 100 km de neige ou 100 km de ténèbres de midi concassées par le vent.
Mais c'est le fait d'être à l'abri qui gâche son plaisir. Elle a, alors, évidemment, les passions de sa famille à se mettre sous la dent, mais c'est peu, ou bien c'est une nourriture qui ne répond pas à sa faim. Maintenant, je laisse la parole à Marc Giorgi. Les bandits, c'est sur la place du couvent d'Alezane, le 8 septembre 1906, au terme d'une journée festive bien arrosée, que le nommé François-Marie Castelli de Kerquède inaugura sa carrière de bandit en déchargeant son fusil à bout portant dans la poitrine de Jules Santini, son propre cousin. Pendant plus de 20 ans, ce sinistre personnage fera régner la terreur dans les cantons de la Lesagne, de l'Orezza et de Pietradiverbe, ponctuant son parcours d'un nombre impressionnant de meurtres. Le plus odieux de tous ces crimes eut lieu le 6 mai 1912, vers 15 heures, à Kerquède. Un habitant de ce village, Jean-François Castelli, ayant appris que le bandit voulait le tuer parce qu'il avait témoigné contre lui à son procès, pris d'une peur panique, s'était barricadé chez lui. La cruauté du bandit était telle qu'il avait décrété que cet homme devait mourir de faim dans sa propre maison. Il avait interdit à toute personne de porter secours aux malheureux. Les habitants de Kerquède, terrorisés, n'osaient s'aventurer dans les ruelles du village. Pourtant, une jeune fille, Maria Castelli, âgée de 18 ans, la nièce de l'homme barricadé, n'écoutant que son grand cœur et faisant preuve d'un courage remarquable, apporta des provisions à son oncle pour le sauver. Le bandit lui donna un premier avertissement et déclara qu'il la tuerait si elle avait l'impudence de recommencer. Mais Maria ne pouvait se résoudre à laisser mourir de faim, dans d'atroces souffrances, le frère de son père. Elle devait aussi penser, dans la naïveté de sa jeunesse, que le terroriste ne ferait aucun mal à une jeune fille innocente et qu'il serait touché par sa bonté et son humanité. Aussi, quelques jours après, elle se présenta de nouveau à la porte de la maison de son oncle avec son panier de provisions bien rempli. Elle n'eut pas le temps de le remettre à son destinataire. Une décharge de fusil l'atteignit à l'abdomen. Elle n'était que blessée. Il fallait la soigner de toute urgence pour la sauver. La sœur de Maria, Mathilde, âgée de 13 ans, fit le tour du village, frappa à toutes les portes, supplia, implora tous les habitants de porter secours à sa sœur. Pas un ne réagit, par peur et par lâcheté.
même pas ses propres parents. La malheureuse jeune fille agonisa toute la nuit. Le lendemain matin, à 4 heures, quand les gendarmes arrivèrent enfin, il était trop tard. Maria était morte. On raconte que bien des années plus tard, François-Marie Castel affirma qu'il ne regrettait aucun des innombrables crimes qu'il avait commis. Au contraire, il s'en vantait. Aucun crime, sauf celui de la petite jeune fille de 18 ans, morte un petit matin de mai 1912 en allant porter un panier de provisions à son oncle. Dans les temps plus anciens, des hommes tuaient et prenaient le maquis pour venger leur honneur ou réparer une injustice. Les habitants des villages ne fermaient jamais leurs portes à ces bandits d'honneur qui étaient accueillis avec respect et bienveillance et jamais dénoncés. C'était pourtant dehors la loi. Rien de tel chez Castelli, brigand sanguinaire, appartenant à la race des bandits percepteurs. Son seul but était de rançonner et de terroriser les honnêtes gens. Il parcourait tous les villages de la Castaniche, s'invitant chez les habitants, sommé de laisser leurs portes ouvertes sous peine de représailles. Il fallait faire bonne figure, montrer qu'on était heureux et honoré de le recevoir et satisfaire à toutes ses demandes. Pendant ces années de terreur, personne n'éprouva de la sympathie pour cet homme si cruel. Il fallait se plier à ses exigences. La peur était si grande chez les enfants qu'une petite fille de Pietralivere, âgée d'une dizaine d'années, sachant que le bandit était sur le point d'arriver chez ses parents, sauta par la fenêtre pour se réfugier chez une tante où elle devait rester longtemps, même après la mort du brigand. Pourtant, malgré cette vie dehors la loi, certains hommes politiques peu scrupuleux n'hésitèrent pas à pactiser avec le bandit pour qu'il fît pression sur les électeurs. Mais son influence, devenant de plus en plus grande dans le monde politique, on décida de l'éliminer. Le 23 janvier 1929, on l'invita à manger et à boire dans une maison située au lieu-dit Mezzane, près de Tiatre. Quand il sortit, à moitié ivre, un tireur embusqué l'abattit d'une balle dans le dos. On trouvera dans ses poches une statuette de Saint-Antoine. Toute sa vie, ce misérable qui fit preuve d'une cruauté inouïe envers ses semblables eut l'outrecuidance de se couvrir de médailles pieuses et d'implorer la protection de Dieu et des saints. On enterra sa dépouille sur le bord du chemin, près de l'endroit où il fut tué. Ainsi s'acheva l'existence maléfique de ce bandit sanguinaire.
Et maintenant, je laisse la parole à Christine Bretonnier. Donc là, je vais vous lire un passage justement qui correspond au chapitre des bandits. Et c'est un passage d'un roi sans divertissement de Giono, le passage de Frédéric II et le hêtre. Il répéta aux gendarmes, « Il sortira, ne bougez pas. Il partira, ne bougez pas. Je sortirai. Quand je serai sorti, va chercher ton collègue qui est derrière la maison et tous les trois, emboîtez-moi le pas. Repos. C'est tout. » Il assura son bonnet de police et il lissa le collet de son manteau. Il traversa la rue, frappa à la porte. On vint lui ouvrir. Il ne fut pas possible de voir qui était venu lui ouvrir. Et il entra. Il leur fallut très peu de temps pour être d'accord. Langlois dut mener son affaire tambour battant. Au bout de deux, mettons deux minutes pas plus, la porte s'ouvrit. J'avoue que ma respiration s'arrêta. Et je vis l'homme de face. Il me sembla qu'il avait un air familier. Langlois n'avait pas besoin de me faire tant de recommandations et de secouer ma cravate. Je n'avais certainement ni envie de crier, ni de tirer. Frédéric oubliait en disant ça qu'il n'était pas armé, ni de courir derrière lui. Je n'attendais à voir ce que je n'avais jamais vu. C'était un homme comme les autres. Même, je vous le répète, il avait un air familier. C'était en effet, comme il le sut plus tard, celui avec lequel, pendant l'orage, il était resté accroupi dans le cagibi aux engrenages. Pourtant, c'était celui-là. Je le reconnus au pas qu'il prit. Ce pas de promenade, qui partant du hêtre, m'avait tiré à travers le Jaucon et l'Archat, et duquel maintenant, il remontait paisiblement la rue, se dirigeant vers la place de l'église, comme s'il faisait un tour. Le temps qu'il se soit avancé comme ça de, mettons, 100 mètres, et Langlois sortit. Il nous jeta un regard féroce, bien que le gendarme et moi soyons rencoignés dans notre coin de porte comme deux petits lapins. Et il emboîta le pas à l'homme. Nous exécutâmes ses consignes à la lettre. Et les deux gendarmes et moi nous emboîtâmes le pas à Langlois. Ainsi, nous voilà à 100 mètres les uns des autres, à nous en aller paisiblement d'un pas de promenade que réglait celui qui, là-bas, devant, était en tête. Il était de très bonne heure, mais le maréchal Ferrand allumait sa forge. Quand l'homme passa devant lui, il était justement en train de jeter ses cendres dans la neige. Ils se dirent bonjour. Comment pouvait-on imaginer que celui qui arrivait derrière en manteau de cavalerie et bonnet de police pouvait avoir un rapport quelconque avec ce promeneur matinal? Et nous, à 200 mètres de là, encore moins. Et pourtant, voyant que nous reprenions la rue par laquelle lui et moi étions arrivés, je me demandais où nous allions comme ça. Nous dépassâmes cette ferme qui, la première, avait surgi des solitudes la veille. Elle était là, avec son béret de neige, tiré sur son œil, pareil à ce qu'elle était. Il n'y avait que l'homme et moi qui marchions à rebours. Et Langlois, avec son bonnet de police. Nous avions repris le chemin forestier et les détours nous masquaient parfois l'homme, parfois Langlois. Un de ces détours, nous avons trouvé Langlois arrêté. Quand nous arrivons à sa hauteur, il nous dit « Halte !» Là-bas, en face, à une cinquantaine de mètres, l'homme, debout, adossé au tronc d'un hêtre, nous regardait. Nous sommes restés ainsi un petit moment face à face, à travers 50 mètres. Puis Langlois s'est avancé, pas à pas, jusqu'à être à 3 pas en face de l'homme. Là, ils eurent l'air de se mettre d'accord, une fois de plus, l'homme et lui, sans parole. Et au moment où vraiment on n'allait plus pouvoir supporter d'être là, où l'on allait crier « Alors, qu'est-ce que vous faites ?» Il y eut une grosse détonation et l'homme tomba. Langlois lui avait tiré 2 coups de pistolet dans le ventre. Des 2 mains en même temps.
C'est un accident, dit Langlois. Quant à lui, en rentrant chez nous, il trouva la lettre de démission qu'il avait commencé à rédiger. Il ajouta : manque de sang-froid regrettable dans le service. Des tentes de pistolets trop usées, qu'un examen soigneux des armes aurait dû déceler, ont causé ce terrible accident pour lequel je suis sans excuse. Il mit sa lettre sous enveloppe et l'envoya. Épilogue. J'ai commencé cet essai par une citation de Paul Valéry. Je le termine par une citation de Nietzsche. Finalement, personne ne peut tirer des choses, y compris des livres, plus qu'il n'en sait déjà. Ce à quoi l'on n'a pas accès par une expérience vécue, on n'a pas d'oreille pour l'entendre. Les Valéry ont expérimenté la vie des Jasons. Leur sang est à jamais devenu encre, une encre verte, évidemment, comme si, subrepticement, cette belle pierre de Pietra di Verde avait mêlé ses pigments à leur sang. Alors, je remercie bien évidemment Monsieur le maire de Pietra di Verde, également l'association. Alors, c'est pas marqué là en fait. Gioventù per do Lac. Voilà, je voulais qu'il parle. J'avais trouvé le moyen de le faire parler. Et également Marie-Lé, bien évidemment, que je ne sais pas où elle doit être par là, qui m'a nourrie. Également, donc, Joël Rousseau, mon ami. Deux amis aussi qui sont venus et que je remercie vivement, Olivier Rivollier et Christophe Licaro. Et également, je remercie tous les gens que je ne connais pas qui sont en face de moi, de leur écoute attentive. J'espère que ça vous a plu, que ça ne vous a pas trop ennuyé en tout cas. Et je vous remercie vivement de l'attention que vous nous avez apportée. Je veux également terminer ces remerciements. Je remercie mon cousin Jean-Guy Talamoni qui a fait la préface de ce livre, qui a rédigé la préface de mon livre. Voilà.